Ça fait 5 ans qu'on est mobilisé sur les côtes vendéennes et aussi en Bretagne un peu l'été pour justement témoigner du nombre important d'échouages qu'il y a à cette période de l'année. Parce que chaque année, c'est la même chose, c'est le même carnage, mais le problème, c'est qu'aucune mesure sérieuse n'est prise. Donc on est là, nous aussi, pour faire bouger les lignes. On essaye de pousser l'État, les pêcheurs à prendre des mesures afin d'enrayer cette hécatombe qui dure depuis bien trop longtemps maintenant. Et on restera mobilisés tant que les choses ne bougeront pas. Il y a vraiment énormément d'efforts de fait dans un contexte qui est compliqué pour les pêcheurs. Ça serait dommage que ces gens-là viennent nous dire ce qu'on a à faire alors qu'on travaille en parallèle et en étroite collaboration avec les services de l'État, les scientifiques, certaines ONG constructives. Depuis 4 ans maintenant, la profession a pris en main. L'État a injecté 10 millions d'euros sur les 3 dernières années sur des programmes justement scientifiques d'observation, des caméras embarquées, des effaroucheurs, etc. de manière à éviter ces captures accidentelles.